Alors, exactement. Alors Costello, faut jeter une carte sur ce 9 de carreau. Mmh. Bien joué, joli squeeze, Moro. Allez, je jette mon trèfle. Dommage. C'était la bonne. Fallait garder le pied. Voilà, j'ai fait mon contrat. Eh ben, 6 cœurs contre toute attente, et vous les faites. Chapeau. Content, mon petit Almès? Le rôle du mort n'est pas prépondérant. Ne croyez pas ça. Un beau mort est toujours sympathique. Enfin, au bridge. Ah, Moreau, vous avez trop de chance. Voilà, alors, 6 cœurs, 180, 750 de chelem, 700 de papier. En fait, les comptes, mon petit Robert, parce que... Oui. Parce que... je demande... Je demande pardon. Eh bien, Moreau, oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? C'est la joie de la victoire? Cessez de plaisanter, Costello. C'est un malaise sérieux. Hein? Allez, aidez-moi à le renverser sur sa chaise. Et allez prévenir sa femme dans le salon d'à côté. Prévenez également, Vanel. Mais vous faites bien des histoires pour peu de choses, Toby. Non, c'est bon, j'y vais. Dites, docteur, je le trouve bien pâle, moi. Je crains bien qu'il ne soit mort. Quoi? Ben, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit, mort, on n'est pas bien? C'est très ennuyeux, ça, il faut le faire rentrer chez lui. Vous avez prévenu sa femme? Oui, je viens de la prévenir, elle échange des jetons. Alors, docteur? Moreau est mort. Crise cardiaque, apparemment. Qu'est-ce que vous dites? Ce que tout autre docteur que moi pourrait dire en la même circonstance. Crise cardiaque, et... C'est très joli, ça, mais moi, je suis obligé d'appeler la police. Alors, allô, la PJ? Bon, voulez-vous me passer le commissaire principal Gracieux? Oui, oui, merci. Allô, allô, André? Maurice? Oui, Maurice Vanel, le cercle d'Antin. Oui, ben moi ça va, mais j'ai un habitué qui vient de mourir. Non, personne n'est sorti. Ben, je ne sais pas, moi sans doute le cœur. Oui, ah, comme tu dis, une émotion forte. Je t'attends, hein. Oui, bon, merci. Mon ami, le commissaire Gracieux sera ici dans un instant. Ah, Madame Moreau. Madame Moreau, je vous en prie, restez calme. Costello vient de me dire que mon mari avait eu un petit malaise. Je crains que cela ne soit plus grave, Madame Moreau. Laissez-moi le voir. Mais il est mort. Hélas, ça a été si rapide, nous n'avons rien pu tenter. La police sera ici dans un instant. Oh, voilà une idée, pourquoi la police? Elle a raison, il était inutile de déranger un commissaire pour une crise cardiaque. Ouf. Moi, dans un cas pareil, je ne délivrerai pas de permis d'inhumer. Vous pensez que la mort de notre ami Moreau n'est pas naturelle? Je ne suis pas ici pour penser, mon jeune ami, je suis médecin, je constate. Vous constatez quoi, docteur Blin? Que mon mari vient de succomber à une crise cardiaque? Alors votre sens aigu des responsabilités vous interdit de constater officiellement le décès et vous préférez vous en remettre au médecin légiste? Eh bien, belle preuve de courage et d'autorité. Je ne vous permets pas, madame, mon sens du devoir... Voici ici mon mari! Alors vous vous vengez, petitement. Ah, tu es là? Bonjour, Maurice. Bonjour. Madame, messieurs. Ah, tu as fait vite, merci. Docteur Blin, Madame Moreau, la femme madame. Du... Monsieur. Monsieur Costello, monsieur Robert Almès, le commissaire principal Gracieux de la PJ. Désolé de vous connaître dans ces circonstances. Voici Pron, mon adjoint, et le docteur Tessier, médecin légiste. Allez-y, docteur. Pron, va faire une vérification d'identité dans le salon à côté. Entendu, commissaire. Maurice, je peux utiliser ton bureau? Mais bien sûr. Alors, on y va. Je vous demanderai de bien vouloir patienter. J'aurai sans doute à vous poser quelques petites questions. Mais, commissaire, vous ne pensez... Je ne vois vraiment pas comment je pourrais faire autrement, madame. Tu viens, Maurice? Oui, je passe devant. Viens. Alors, c'est moi qui passe le premier à la casserole. Vanel, Maurice Vanel, patron de club. Ça change du débarquement de Saint-Raphaël. Tu te souviens? Ah ben, ce sont des choses qu'on oublie difficilement. Sergent Gracieux, on t'a assez foutu en boîte. Et dire qu'il faut que je te retrouve avec une histoire pareille. Bon, ça n'a rien de grave. J'espère. Ben, tu m'as appelé. C'est donc que tu trouves ça louche? Ben, non. Non, simplement le gars a cassé sa pipe chez moi et je ne veux pas d'histoire.
Chez moi, c'est un club sérieux. Mais c'est vrai, j'ai demandé des tuyaux à la brigade des jeux avant de venir, tu es blanc comme l'hermine. Bon, alors, ton bonhomme. Philippe Moreau, 49 ans. Un des meilleurs bridgers que je connaisse. À ce point-là? Ah oui, il y a 10 ou 12 ans, il a fait équipe avec Trezel. Si tu crois que ça me dit quelque chose... Ah ben, Trezel a été champion du monde. Et Moreau? Bon, Moreau, pas tout à fait la classe internationale. Hein. Bon, c'était un flambeur. Et alors? Je voudrais mettre les choses au point. Hein. Je n'aime pas que tu utilises le terme de flambeur. Moreau était un joueur, un bridgeur de première force. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir mis cette science au service de son porte-monnaie? Oh, je t'en prie, Maurice, ne me développe pas ta philosophie du jeu. Moreau est mort apparemment de mort naturelle et Tessier va sûrement nous confirmer ça. Et qu'est-ce que tu trouves de bizarre en dehors du fait que le gars a cassé sa pipe chez toi? Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que tu ne l'imagines. Mais je n'imagine pas, mon vieux, moi j'attends. Bon, mais j'ai ouvert ce cercle de jeu à la fin de la guerre. Et tout de suite, Moreau y est venu et s'est révélé comme le meilleur joueur, ou enfin, un des meilleurs. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ton roi des tapis verts? Moreau ne jouait qu'au bridge. Il faisait fructifier des biens familiaux. Mais loisif? Oui, mais pas dans le mauvais sens du mot. Dis donc, de la façon dont tu le défends, ne me dis pas qu'il avait des parts dans ton affaire. Ben, ça n'a rien à voir. Oh, réponds quand même. Ah oui, il est vrai que Moreau avait mis de l'argent dans l'affaire. Il a de la famille? Non, personne, en dehors de sa femme. Alors, sa mort t'arrange, non? Ah, bon, André, comment peux-tu dire une chose pareille? Uniquement pour voir ta réaction. Bon. Allez, continue. Eh bien, Moreau rapporta de l'argent au cercle jusqu'à il y a 2 ans. Comment ça? Dans la mesure où un joueur appartient au cercle et gagne de l'argent, cet argent ne sort pas de la famille, pour ainsi dire. Et tout ça est légal. Je t'admire. Allez, poursuis. Bon, il y a 2 ans, Moreau s'était marié depuis quelques mois et il a eu un grave accident de voiture. Il était seul? Non, il était avec sa femme. Elle n'a rien eu? C'était elle qui conduisait. Alors? Alors Moreau a été très amoché. Il s'en est tiré, mais avec une surdité presque totale. Ça a dû le rendre aimable. Il n'était pas déjà très folichon. C'était un taciturne, un amer. Même lorsqu'il gagnait au bridge, il aimait surtout voir perdre ses adversaires. Il était volontiers méprisant. Pardon. Quoi? Et est-ce que tu voudrais par là me faire savoir qu'il n'était pas aimé? Ah, exact. Ça, exact, il n'était pas aimé. Non, mais au fond, c'était un très brave type, mais trop secret. Je le connaissais mieux que les autres. C'est pourquoi j'essaie de le présenter sous de meilleures couleurs, parce que tu vas sûrement en entendre en écoutant les autres. Hein. Alors, tu penseras à ce que je t'ai dit? Sa femme à quel âge? Une bonne trentaine. Ah, mais elle ne les fait pas. Elle a gardé son teint de jeune fille grâce à... Ah, ben, je ne savais pas que tu pratiquais l'humour. Bon. Et alors, après l'accident? Moreau avait perdu son étonnant pouvoir de concentration. Il arrivait à lire les paroles sur les lèvres, mais il faut pour bien jouer un contrôle entier sur soi-même, et surtout des facultés intactes. Alors, Moreau a commencé à perdre... C'était la revanche de ceux à qui il gagnait régulièrement de l'argent. Ça a été un coup très dur pour son amour-propre. Alors, tu penses bien que les autres en ont profité? Quels autres? Costello, le docteur Blin. La surprise a été le nouveau passage brillant de Moreau. Oui, depuis quelque temps, il avait recommencé à gagner. Mais c'est intéressant, tout ça. Oui? Commissaire, j'ai fini avec les identités. Parfait, prends. Tu vas maintenant aller avec mon vieil ami Maurice jeter un œil sur sa comptabilité. Vérifier les gains et les pertes de la victime depuis 6 mois. Ah ben André, tu n'as pas le droit, après ce que je t'ai dit. Ne sois pas stupide. Hein. Si tu n'as rien à te reprocher, si tu as dit vrai, que crains-tu? Allez, prends tes livres et va les montrer à mon adjoint. Le secret professionnel... Fous-moi la paix, veux-tu, avec tes scrupules. Allez. Envoie-moi à Madame Moreau. Et accompagne M. Vanel. Bon, tout de suite, commissaire. Je vous envoie Tessier quand il aura fini. Bien sûr. Allô? Oui, allô, commissaire Gracieux à l'appareil. Passez-moi Bertrand au sommier. Bertrand? Dis-moi, mon vieux, il y a une tournée sur mon compte, si tu me trouves les détails d'un accident de voiture survenu il y a 2 ans. Ah, comment? Mais j'en sais rien. Monsieur et Madame Moreau,
Philippe Moreau. Dépêche-toi et rappelle-moi au cercle d'Antin. C'est ça. J'ai attendu la fin de votre communication avant d'entrer, commissaire. Je vous en remercie, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, que voulez-vous savoir, commissaire ? Je voulais savoir, madame, pourquoi la mort de votre mari suscite chez vous si peu d'intérêt ? Je n'aime pas ce genre de manifestation. Il s'agit de votre mari, madame. Voudriez-vous me dire, commissaire, que la vue d'une veuve éplorée vous serait plus sympathique ? Je ne vous en demande pas tant. Donc, il n'existait entre votre mari et vous aucun sentiment. Monsieur le commissaire, mon mari vient de succomber à une crise cardiaque. Pensez-vous sincèrement que ma vie privée ait quelque chose à voir avec un accident aussi regrettable, certes, mais parfaitement naturel ? J'aimerais que vous me laissiez en juger, madame. Pourquoi disiez-vous au docteur Blin, au moment où j'arrivais, « Vous haïssiez mon mari ?» Oh, vous avez l'ouïe fine, commissaire. Vous ne parliez pas à voix basse. Eh bien, si j'ai dit que le docteur haïssait Philippe, c'est que je le pensais. Et quel motif aurait eu le docteur de haïr si fort, monsieur Moreau ? Êtes-vous joueur, commissaire ? Pas dans le sens où vous l'entendez. Oui, alors vous ne pouvez pas comprendre. On s'accorde à me reconnaître une assez grande facilité de compréhension, madame. Peut-être que si vous faisiez un petit effort pour m'aider. Bon. Eh bien, disons que le docteur Blin perd régulièrement devant mon mari depuis des années. Ah oui ? Oui. Oh, il ne s'agit pas de sommes importantes, non, mais 300, 500 francs par semaine. Alors ça finit par créer une certaine animosité. 500 par semaine ? Une petite somme, comme vous y allez, madame. Si j'ai bien compris, le docteur Blin perd régulièrement avec monsieur Costello comme partenaire. C'est exact. Il faut donc conclure que M. Costello perd les mêmes sommes. Ah, très bien raisonné. Voilà quand même de bien jolies rentes. Combien votre mari a-t-il perdu depuis son accident de voiture ? Je vous demande pardon. Ma question est claire, madame. Votre mari perd depuis 2 ans, depuis précisément l'accident de voiture. Oui. Je vous demande de me dire combien il a perdu. Oh ! Mais si vous croyez que je m'intéresse au compte de Philippe, alors là... Que pensiez-vous du partenaire de votre mari ? Le petit Almès. Oh, c'est un garçon charmant. C'est mon mari qui lui a tout appris. Entrez. Ah, Tessier, vous avez fini ? Oui, mais... Je suppose, madame, que vous aurez la force d'entendre le rapport du docteur Tessier. Évidemment. Une crise cardiaque classique. L'œil est un peu dilaté. Il faudrait une autopsie pour déterminer s'il y a oui ou non des traces de poison dans l'organisme. Mais à première vue, j'y crois pas. Êtes-vous satisfait, commissaire ? Ce sera une affaire vite classée, madame. Je n'en suis heureux que pour mon ami Vanel. Nous allons poursuivre les questions dans le salon, si vous voulez bien. Je vous invite à me suivre. Là, j'ai fait prendre les photos, commissaire. Parfait. Bon, alors nous allons pouvoir partir. Dans un petit moment, sans doute. Monsieur Costello. Oui, commissaire. Vous jouez régulièrement à ce cercle ? Oui, je ne vois pas pourquoi je vous le cacherais. Prends. Prends. As-tu examiné les livres de Vanel ? Oui, commissaire. Il a perdu près de 9 millions anciens en 22 mois. Il a regagné 800 000 francs depuis 2 mois. Tu ne vas pas me dire qu'Almès a pu sortir une somme pareille de son budget ? D'après ce que j'ai compris, quand Moreau gagne, il laisse 20% à Almès. Quand il perd, il assume tous les risques. C'est assez généreux de sa part. Ou franchement dégoûtant, s'il était assuré de gagner. Hé là, qu'est-ce que vous faites ? Vous ? Bah, monsieur le commissaire veut bien que je débarrasse la table. Qui vous a autorisé ? Mais personne, monsieur le commissaire, c'est mon travail. Tessier, jetez-nous un coup d'œil. Qui a bu dans ce verre ? Moreau. Mais c'est... Est-ce lui qui a commandé ce verre ? C'est vous, Robert, qui êtes allé lui chercher, comme d'habitude. Exact, j'ai profité d'un tour où j'étais mort. Vous ne pensez tout de même pas que j'ai empoisonné M. Moreau, non ? Du calme, jeune homme, personne ne vous accuse. Peut-être, mais ces questions sont très désagréables. Malheureusement, j'en ai encore quelques autres à vous poser. Veuillez me suivre dans le bureau de M. Vanel. Je vous demanderai de m'attendre ici, j'en ai pour quelques minutes. Prends. Oui, commissaire. Tu as téléphoné pour faire emmener le corps ? Je les attends d'une minute à l'autre. Viens me retrouver dès que tu auras fini. Bien.
Asseyez-vous, monsieur. Merci. Il y a combien de temps que vous jouez avec Moreau? Environ 2 mois. Comment fait-il pour gagner? Il joue bien. Il y a combien de temps que vous fréquentez le cercle? Un an, à peu près. Donc vous avez vu Moreau perdre pendant 10 mois. Et vous avez le culot de me dire qu'il joue bien. La chance tourne, commissaire. Je vous conseille vivement de ne pas me prendre pour un imbécile. Vous jouez avec lui depuis 2 mois, et ça vous a rapporté 20% de ses gains. Comme argent de poche, ce n'est pas sale. Je vous écoute. Je ne peux rien vous dire, je ne sais rien. Moreau était bien plus fort que moi, c'est lui qui m'a appris à jouer en équipe. Non, il n'était pas question de tricher, mais d'appliquer sans aucune erreur les règles du jeu. Cuddleston ou Albaron? Ah, vous jouez au bridge, commissaire? Je n'ai jamais dépassé 2 sous du point. Mes talents ne me le permettent pas. Néanmoins, je joue au bridge. Nous jouions Albaron. Et comment expliquez-vous le fait qu'il gagnait régulièrement? Je dois reconnaître que ses coups n'étaient pas toujours très orthodoxes. Mais il n'y a que le résultat qui compte. Ça vous a rapporté 160 000 anciens francs, et vous préférez ne pas en savoir davantage. Je ne vous permets pas, commissaire. Vous n'aimiez pas Moreau. Pourquoi? Personne n'aimait Moreau. Il était méprisant avec moi, et il me reprochait mes erreurs devant tout le monde. Pourquoi restiez-vous son partenaire? Il gagnait, il faut bien vivre. Sans lui, vous n'auriez pas eu les moyens de jouer. D'accord. Ça vous prouve en tout cas que je n'avais aucune raison de supprimer la poule aux œufs d'or. À moins que Moreau n'ait décidé de changer de partenaire. C'est stupide. Trouvez-moi quelque chose de plus intelligent. Mais je ne sais pas, moi. Je ne voyais Moreau qu'au cercle. Est-ce une raison suffisante? Une seconde, permettez. Après. Oui? Oui, c'est lui-même. Ah, c'est toi, Bertrand? Alors? Parfait. La tournée est à mon compte. J'écoute. Oui. 2 ans? Il y a eu 1 mois et demi. Oui, c'est bien eux. À la gendarmerie de Melun? Quel nom tu dis? Fais-moi photocopier tout ça, mon grand. Bon, merci. Au revoir. Voulez-vous m'envoyer Monsieur Costelot qui va prendre votre place? Vous ne m'arrêtez pas, commissaire? Jeune homme, je pourrais presque être votre père. Alors là, vous auriez droit à une magnifique paire de claques. Tout au moins mon pied dans les fesses. Je suis commissaire de police, et comme tel, je vous engage vivement à changer de ton. Envoyez-moi Monsieur Costelot. Monsieur Costelot, voulez-vous me remplacer? Oui. Et si j'ai bien compris, c'est mon tour. Vous n'y voyez pas d'objection, j'espère? Non, pas du tout. Si tout le monde doit y passer, je ne vois pas pourquoi je ferais exception. Mais je persiste quand même à penser que c'est parfaitement inutile. J'en suis de moins en moins sûr. Voulez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Mais certainement. Alors, vous avez découvert quelque chose, commissaire? Si vous le permettez, c'est moi qui poserai les questions. Non, voulez-vous m'excuser, commissaire? Je suis d'un naturel inquiet. Et curieux. Oui, moi aussi. Ça tombe bien. D'après l'identité que vous avez fournie à mon adjoint, l'inspecteur Pont, vous vous appelez Édouard Costelot, industriel, 43 ans. Vous êtes très joueur. Mes moyens me le permettent. Si vous voulez. Vous perdez régulièrement. Je ne joue pas qu'ici. Vous aimez la campagne? Pardon? Je vous demande si vous aimez la campagne. Si le fait de passer tous les week-ends dans ma maison de campagne répond à votre question, alors oui, j'aime la campagne. Puis-je vous demander où se trouve cette propriété? Du côté des Ménules. Vous êtes très lié avec les Moreau. Bon, pas plus que ça. Alors pourquoi est-ce vous qui avez fait la déclaration d'accident à la gendarmerie de Melun il y a 2 ans? Ah, vous savez cela. Eh oui. Alors? J'étais dans la voiture lors de l'accident. Personne ne l'a su. Le fait de ne pas en parler ne prouve pas que je voulais le cacher. Il suffisait de consulter le registre des procès-verbaux de la gendarmerie. Bon. Alors je pose la question autrement.
Pourquoi étiez-vous avec les Moreau? Mais ça ne vous arrive jamais d'accepter une invitation? Si vous me répondez chaque fois en posant une autre question, nous n'en sortirons jamais. Je vous en prie, parlez. Bon. Mais j'étais seul. Ma femme était à Deauville pour ouvrir la villa. J'ai accepté l'invitation des Moreau. Nous sommes partis le vendredi vers 17h. Nous devions passer 48 heures dans la propriété et faire de la voile sur le plan d'eau de Triel. Nous sommes sortis par l'autoroute de l'Ouest. Nous sommes passés par les Mureaux et Melun. Avant de passer dans Tain, la voiture que conduisait Thérèse a fait une embardée et elle a heurté un arbre. Ah. Moreau, qui était assis à côté d'elle, a tout pris. Mais Thérèse était très secouée. Je suis donc allé à la gendarmerie faire la déclaration d'accident. Moreau a été hospitalisé. J'ai demandé à Thérèse de ne pas parler de l'accident pour ne pas affoler ma femme. Vous voulez dire que vous avez demandé à Madame Moreau de taire votre présence? Bon, si vous voulez. Comment pouviez-vous être sûr que Moreau ne parlerait pas? Bon, je ne me suis même pas posé la question, je ne savais pas s'il guérirait. Et comment s'est terminé le week-end? Madame Moreau est restée au chevet de son mari presque continuellement et j'ai accepté son hospitalité. Je suis resté seul à la maison de Trienne. Vous n'aimiez pas Moreau? Non. Belle franchise. Vous aimiez sa femme? Reconnaissez, commissaire, qu'elle est plus sympathique que lui. Bien, bien, bien. Il était très fort au bridge. Très. Très. J'ai commencé à fréquenter le cercle d'Antin alors qu'il était déjà très connu. Je venais de reprendre les affaires de mon père, j'aimais le jeu de bridge, j'ai rencontré Moreau. Il gagnait, presque infailliblement. De mon côté, je jouais avec le docteur Blin. Et nous formions une équipe, honnête. Alors, nous avons joué contre Moreau et un autre joueur. C'était fascinant de voir jouer Moreau. Une mémoire formidable, une concentration perpétuelle, un sens du jeu, des annonces, bref, un joueur complet. Les leçons qu'il nous a données valaient largement ce que nous avons perdu. Et puis nous conservions toujours l'espoir de le battre. Vous comprenez, ça devient agaçant, un type qui ne perd jamais. Il a quand même fini par perdre. C'est le contraire qui était étonnant après un tel accident. Il était devenu sourd, il s'était mis au scotch pour se doper, il fumait trop. Enfin, l'influx nerveux n'a pas résisté. Comment expliquez-vous qu'il n'ait pas renoncé alors qu'il se savait diminué? Mais par amour propre, par orgueil. Pourquoi n'avons-nous jamais renoncé à le battre, Blin et moi, hein? Évidemment. Évidemment. Et cela a duré... Jusqu'il y a 2 mois. La première fois, nous n'y avons pas apporté d'attention. Après tout, le jeu, c'est le jeu. Mais Moreau ne jouait plus aussi bien. Il était devenu très, très lent. Presque indifférent. Absent. Et subitement, il sortait des coups absolument déroutants. À croire qu'il voyait nos jeux. Il trichait. Je n'ai jamais rien remarqué. Je ne peux absolument pas en jurer. Mais il suffirait d'un rien pour que vous l'admettiez. Oui, encore faudrait-il découvrir son truc en admettant qu'il en est un. Bien sûr. Vous l'avez bien observé. Vous n'avez rien remarqué qui pourrait nous mettre sur la voie. Non, écoutez, monsieur le commissaire, j'ai perdu 4000 francs en 2 mois pour découvrir s'il trichait. Vous voyez que je suis persévérant. Je vous remercie, monsieur Costello. Je ne vois plus rien à vous demander pour l'instant. Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer le docteur Blin? Entendu, commissaire. À vous, docteur. Le commissaire vous attend. Pardon. En quoi puis-je vous être utile, commissaire? Croyez que si je le savais, nous gagnerions un temps précieux. Quels sont vos rapports avec les Moreau? Disons des rapports de bonne intelligence. Thérèse Moreau a porté contre vous une accusation grave tout à l'heure. Je suis entré à cet instant précis. Oui? Vous haïssiez Moreau? En tant que médecin, sûrement pas. En tant qu'homme, peut-être. En tant que joueur de bridge, assurément. J'ai rarement vu quelqu'un traîner une chance pareille. Oh, monsieur Costello n'est pas aussi crédule. Il pense que Moreau trichait. Hein? Pas vous? C'est extrêmement délicat. J'avoue que je serais prêt à le croire, mais il m'est impossible de le prouver. Et il y a longtemps que vous le surveillez? Oui, depuis qu'il recommençait à gagner. Monsieur Costello m'a affirmé qu'il ne perdait que pour essayer de découvrir le truc de Moreau. Costello et moi, nous faisons équipe depuis des années.
J'étais au moins aussi désireux que lui de faire cesser cette chance que Moreau paraissait aider. L'accident de voiture a sérieusement diminué les facultés de Moreau. Ouais. C'est bien pour ça qu'il perdait depuis 2 ans. Je suis parfaitement au courant, il m'est arrivé de soigner Moreau. Vous saviez donc qu'il était cardiaque? Bien sûr. Et c'est moi qui lui ai conseillé de se ménager. Mais il était têtu. Le scotch, les cigares, les gueuletons. Ça n'arrange pas un homme ébranlé. Et certainement plein de problèmes. Vous n'avez pas le sentiment que Moreau était un abominable égoïste? Ouf, pas plus que la moyenne des hommes. Et puis je n'étais pas assez intime avec lui. Et avec sa femme? Ou encore moi. Je n'aime pas son comportement. Sa façon d'être dans la vie, surtout. Et quels sont vos rapports avec Costello? Excellent. Nous jouons ensemble depuis des années. Cela soude une équipe, vous savez. Non, je ne parle pas de Costello joueur de bridge. Je parle de Costello industriel. Eh bien, il m'est arrivé d'accepter une invitation chez lui il y a quelque temps. Il a une femme insignifiante et des enfants charmants. Oh, en réalité, nous entendons très bien nos cercles. Mais la partie finie, nous rompons cette intimité. Et vous êtes son partenaire ici seulement? Non, 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 nous faisons des tournois et nous jouons dans d'autres cercles. D'ailleurs, nous ne perdons régulièrement que face à Moreau. Pourquoi la mort de Moreau vous a-t-elle semblé bizarre? Mais je... Parce qu'elle est trop naturelle, n'est-ce pas? Oh, si vous voulez, commissaire. Enfin, nom d'un petit bonhomme. Vous êtes quand même le deuxième à trouver cette mort beaucoup moins naturelle qu'elle n'y paraît. Pourquoi? Commissaire, je n'aime pas me faire le colporteur de ragots. Mais... Mais quoi? Il m'a semblé... Enfin, j'ai cru m'apercevoir. Je crois qu'il existe une certaine intimité entre Madame Moreau et Costello. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, il m'est arrivé, sans le vouloir, de les apercevoir tous les deux dans la voiture de Costello. Et il avait une façon de la saluer qui n'a rien à voir avec les salutations de simple courtoisie, voilà. Autrement dit, il tenait Thérèse dans ses bras et il l'embrassait. Vous exposez la situation sans aucune nuance, commissaire. Ben, il faut bien reconnaître que c'est exact. Et c'était quand? Il y a quelques semaines. Avez-vous eu le sentiment qu'il s'agissait là d'une liaison et qui naissait, ou bien le couple se comportait-il comme dans une liaison ancienne? Bon, ça, je ne suis pas expert, commissaire. Et de plus, je n'ai pas été me coller sous le pare-brise. Je suis discret, tout de même. Ce n'est plus le moment, docteur, ça, je vous en prie. Écoutez, je vous le répète, je n'ai pas passé mon temps à épier Costello et Madame Moreau. Mais pour autant que j'en ai pu voir, ils avaient l'air assez intimement liés pour que cette liaison n'ait pas l'air récente. Oui. Et selon vous, est-ce que l'affection cardiaque de Moreau était grave avant de devenir mortelle? Oui. Oui, j'avais d'ailleurs laissé entendre à Moreau qu'il courait de grands risques. Merci, docteur. Je vous prie. Pardon. Bon. Oui. Veux-tu venir une seconde? J'arrive. Docteur, je vais vous demander de me laisser quelques instants. Je vous en prie, commissaire. Pardon. Bon. Ils sont venus pour le corps? Pas encore. Vous voulez que je rappelle? Non, non, laisse tomber. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est vous, commissaire, qui me demandez mon avis? Ah, je tourne en rond. C'est bien l'histoire la plus insensée qui nous arrive depuis des mois. Un gars est mort d'une crise cardiaque. Ces gens sont parfaitement honorables et je sens quelque chose de louche. Mais quoi? Eh bien, on boucle l'enquête et on s'en va. Oh non, mais non, je n'ai pas le droit. Je dois savoir. Tout ça est trop naturel. Si Moreau n'était pas mort normalement, vous auriez des suspects? Mais oui. Mais c'est pour ça que je suis embêté. Moreau met de l'argent dans le club depuis des années. Vanel, qui n'est peut-être pas un petit saint, avait tout intérêt à ce que Moreau disparaisse. Et Costello? Il est l'amant de Thérèse Moreau. Oh, j'ai pas une raison suffisante. Oh, il est innocent, va. Costello ne tient pas à un scandale, d'autant plus que sa femme lui fiche une paix royale. Imagine que Moreau le fasse chanter. Si vous ne vous arrangez pas pour perdre, je rends public votre liaison avec ma femme. Ouais, ouais. Et Almès? Almès? Spartacus. Je demande pardon. La révolte des esclaves. Ah. Moreau lui assure, grâce à ses gains, une gentille mensualité. Ça lui donne le droit d'être méprisant, arrogant, impitoyable. Almès encaisse. Moreau, après avoir perdu pendant 10 mois, trouve une combine pour gagner sans risque. Almès profite du fromage. Moreau tient Almès, en lui faisant savoir qu'il n'est pas irremplaçable. Ah, ouais. Almès, furieux, préfère tuer la pougeuse d'or que de l'avoir passée en d'autres mains. Et Blin? Blin? S'il a surpris le chantage que Moreau exerce sur Costello,
il est au courant de la liaison de Thérèse Moreau et de Costello. Il a très bien pu aider Moreau à mourir. N'oublie pas qu'il est docteur. Et que cela n'amuse pas du tout de perdre, surtout après avoir gagné pendant 2 ans. Et je suppose que vous avez également un motif tout trouvé pour Madame Moreau. Le même que celui de Costello. Échapper au chantage. Thérèse Moreau n'a jamais dû aimer très fort son mari. Depuis l'accident survenu il y a 2 ans, plus rien n'existe entre eux. Voilà. Et pourtant, personne n'a tué Moreau. À première vue, tout au moins. Mm-hmm. Est-ce que Tessier a fini? Je crois, oui. Tu veux me l'appeler? Docteur Tessier, voulez-vous venir une seconde? Merci, docteur. Si les gars ne sont pas là dans 3 minutes, téléphone en urgence. Il faut quand même qu'on embarque la victime. Comptez sur moi, commissaire. Vous avez encore besoin de moi, commissaire? Si vous pouviez m'annoncer qu'il y avait du poison dans le verre de Moreau. Désolé, commissaire. Rien que du scotch très honnête. Et si Moreau a été assassiné, ça n'a pas été de cette façon. Mais non, d'un petit bonhomme, vous n'allez pas me dire qu'il est mort bêtement d'une crise cardiaque. Mais... ils avaient tous une bonne raison de le supprimer. Vous n'allez quand même pas prétendre qu'ils auraient laissé passer une pareille occasion. Bon. Je vieillis, Tessier. Il y a quelque chose qui m'échappe. J'arrive pas à trouver. Je ne peux vraiment pas vous fournir des preuves qui n'existent pas. Je ne partirai pas de ce cercle avant d'avoir trouvé. Tessier. Oui. En dehors du verre, y avait-il autre chose sur la table de jeu? Un cendrier et les porte-cigares de Moreau. Rien d'intéressant. Enfin, non, nous pourrions peut-être analyser les mégots. Commissaire, je ne vous reconnais plus. Enfin, croyez-moi, les mégots sont tout aussi inoffensifs que le scotch. Bon, eh bien, je reprends tout à zéro. Tessier, je vous verrai à la PJ. Envoyez-moi Madame Moreau. Bien. Bonne chance, commissaire. Le commissaire souhaite vous entendre, madame. Ah. Alors, commissaire, où en êtes-vous? Nulle part, madame. Je suis en train d'assembler les morceaux d'un puzzle. L'ennui, c'est que les morceaux que je possède ont l'air de se rapporter à autre chose. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de tout compliquer? Je ne crois pas, madame. Il me manque seulement un élément. Ce petit détail qui me permettrait de donner un tour raisonnable à mes élucubrations. Vous êtes la maîtresse de Costello depuis combien de temps? Ah non, commissaire, je ne vous permets pas. Non, madame, vous savez très bien que vous ne m'auriez pas convaincu en veuve et pleuré. Épargnez-moi, je vous en prie, l'épouse fidèle et vertueuse. Vous avez raison, commissaire. J'entretiens des relations coupables avec monsieur Costello. Croyez bien, madame, que cette révélation ne me passionne que dans la mesure où elle fait progresser mon enquête. Mais encore une fois, commissaire, pourquoi cette enquête? Parce que la mort de votre mari n'est peut-être pas aussi naturelle qu'elle le paraît. Saviez-vous que Philippe Moreau possédait des intérêts dans ce cercle? Je vous ai dit que je ne m'intéressais pas au compte de mon mari. On se demande vraiment pourquoi vous l'avez épousé. Les individus changent, commissaire. Le peu que je connais de votre mari m'autorise à penser que c'est vous qui avez changé. Ai-je prétendu le contraire? Je l'ai aimé. Je ne l'aimais plus. C'est tristement quotidien, commissaire. Eh oui. Qui connaissait votre liaison avec Costello? Personne, commissaire. Allons, madame, je suis bien au courant, moi. Mais, au fait, comment, ce n'est pas Costello qui vous l'a dit? Mais non, madame. Est-ce que votre mari soupçonnait quelque chose? Ben, comment le savoir? Il ne m'aurait sûrement rien dit, d'ailleurs. Il aurait longuement préparé sa vengeance. Est-ce que cette façon de disparaître n'est pas, en quelque sorte, une espèce de vengeance? Non, Philippe aimait la vie. Ce n'était pas un être bénéfique, mais enfin, il aimait la vie. Mais dites-moi, qui vous a appris ma liaison? Oh, ça ne servira à rien, madame. À quoi jouiez-vous lorsque Costello est venu vous prévenir? Je venais de terminer un bridge, je changeais mes jetons. Vous êtes passionné de ce jeu? Oh, disons que je joue gentiment. Vous saviez naturellement que votre mari était cardiaque. Oui, le docteur Blin avait cru plus honnête de me prévenir. Je connaissais l'état de Philippe. Vous avez déclaré publiquement que le docteur Blin haïssait votre mari. Mm-hmm. Ne pensez-vous pas que Costello avait les mêmes motifs? Sans doute. Croyez-vous que l'un ou l'autre ait pu haïr suffisamment pour supprimer M. Moreau? Mais non, bien sûr. Est-ce que cela eût été grave si Mme Costello avait appris votre liaison? Pour moi, non. Pour lui...
Le scandale, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Madame, voulez-vous m'excuser une seconde? Mais je vous en prie, commissaire. Monsieur Costelot. Oui. Voulez-vous venir quelques instants? Je vous en prie, je vous en prie. Entrez, entrez. Je présume que vous en êtes aux révélations. Oui, en quelque sorte, monsieur Costelot. Moreau, était-il au courant de votre liaison avec sa femme? Non, voilà une idée. Ah, non. Tu lui as tout raconté? Non, il savait déjà. Ah, de mieux en mieux. Et qui vous a dit? Oh, je change d'intérêt. Je répète ma question. Moreau, était-il au courant? Oui. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah ça, mais tu ne m'en as jamais parlé. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? Il ne m'a pas menacé, il m'a simplement fait comprendre qu'il n'ignorait rien de nos relations. Oh. C'est tout. Il a ajouté avec intention qu'il saurait être discret et complaisant, dans la mesure où nous ne dérangerions pas ses plans. Ses plans? Oui, ses plans. Il n'a rien dit de plus, mais j'ai très bien senti que j'étais à sa merci. Bon, c'est cela que vous vouliez me faire dire, commissaire? Non, 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 monsieur Costelot, non. Non, ça, je m'en doutais depuis déjà un petit moment. Avez-vous mis Blin dans la confidence? Absolument pas. Est-ce que le jeune Almès ou Vanel sont au courant de quelque chose? A priori, non. Et a posteriori? Almès, sûrement pas. Vanel, ça... Philippe et Maurice se connaissaient depuis 17 ans. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Je me demande de quelle façon vous auriez pu, tous les deux, gêner ces plans. Ah, ça. Et partant de là, en admettant cette hypothèse, Moreau, agissait-il seul? Avec Almès, avec Vanel, avec Blin? Comment savoir? Ben oui, oui, comment savoir, oui. Car si moi je considère que vous mentez, tout le problème est à revoir. Mais enfin, commissaire, comment osez-vous penser que... Je ne pense pas, madame, je ne pense pas, j'examine des faits. Mais il a raison, Thérèse, n'importe quel policier raisonnerait comme lui. J'aime vous l'entendre dire. Bon. Une question, madame Moreau. Oui. Avez-vous fait la connaissance de Robert Almès au Cercle ou chez vous? Je crois que Philippe me l'a amené un soir à dîner, il y a 4 mois environ. 4 mois? Oui. Bon, ben... Ce sera tout pour l'instant. Bien. Voilà le contenu des poches de M. Moreau, commissaire. On vient de l'emmener. Monsieur, si vous voulez bien repasser dans les salons, bien, je vais vous rejoindre dans quelques instants. Oui. Quelque chose d'intéressant? Regardez vous-même, commissaire. À vue de nez, je ne crois pas. Voyons. Papier, les clés, monnaie, un peigne... Tiens, pourquoi lui as-tu enlevé son appareil? Il avait glissé. Je le trouve drôlement moderne comme appareil. Pas vous, commissaire? Oui, effectivement. Sono, Transistor, Kandat, Sushin, Kogyo, Company Limited. Ah tiens, je savais pas que les Japonais faisaient dans le sonotone. D'ailleurs, la petite boîte à piles me paraît plus petite qu'une boîte normale. Sors-la de sa gaine et ouvre-la. Tout de suite. Eh bien... Oh, qu'est-ce que vous en dites, commissaire? Que les Japonais sont les rois de la miniature. Mais c'est bien un minuscule émetteur récepteur. Tout juste. Prompt, nous venons de mettre le doigt sur l'élément qui me manquait. Je vais maintenant reconstituer toute l'affaire. Encore 2 ou 3 questions à poser. Et je te raconterai l'histoire de Cendrillon. Ah, l'histoire de... Oui, ah, oui, ah, oui. Ce sera comme vous voulez, commissaire. Pas un mot de tout ci. Envoie-moi Antoine. Le barman? Oui, le barman, tout juste. C'est lui? Tu verras. Ce que vous pouvez être cachotier. Fais marcher ta cervelle. Je connais tout le mécanisme. Seulement, pour faire fonctionner un émetteur-récepteur, il faut être 2. Moreau était de façon indiscutable celui qui recevait. Oui. J'ai besoin de la déclaration du barman pour savoir qui envoyait, qui émettait. Ah bon? Je vous l'envoie. Antoine, oui. Le commissaire Gracieux a 1 ou 2 questions à vous poser. C'est vrai, commissaire? Tout ce qu'il y a de plus vrai. Asseyez-vous. Ah ben, je ne sais rien. Hein. Ah non, non, comment pouvez-vous en être sûr, puisque vous ne savez pas encore ce que je vais vous demander? Oui, mais... Non, soyez pas inquiet. Il y a longtemps que vous travaillez au Cercle? Eh ben, ça va vers 5 ans. Eh ben, mais c'est intéressant, ça. La maison est bonne? Ah, il n'y a rien à dire. Vous regardez jouer de temps en temps? Ça m'arrive.
Vous aimez ça, le bridge ? Beaucoup, oui. Vous connaissez tout le monde ici ? Oh, bien sûr, et d'autant que les additions, on me les règle souvent en fin de mois. Oui, c'est bien normal. Est-ce qu'il y a beaucoup de va-et-vient entre les salons ? Oh, en principe, assez peu. Ah oui ? Dame, les joueurs n'aiment pas beaucoup qu'on vienne tournicoter autour de leur table. Oh, bien sûr, on les comprend. Et comment jouait Moreau depuis son accident ? Ah bah ça, c'est difficile à dire, commissaire. J'ai l'impression qu'il avait été très sonné. Alors, comme il était joueur comme les cartes, il a recommencé dès qu'il a été guéri. Forcément, il s'est trouvé désavantagé, mais il est resté digne. Il a perdu. Sa surdité le gênait beaucoup. Hein ? Ça l'obligeait parfois à faire répéter les annonces. Hein ? Hein ? C'est ça ? Ah, c'est ça, oui. Mais comment... Le loudou. Aucune importance. Après ? Eh bien, après, tous ses amis lui ont conseillé de porter un appareil, c'était plus pratique. Bah, voyons. Et il y a combien de temps ? Bah, ben, à peu près 4 mois, monsieur le commissaire. Il entendait mieux et... Et il y a 2 mois, il a recommencé à gagner. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. Et qui s'est déplacé au cours de la partie d'aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Ben, attendez, il y avait d'abord... Ah, Madame Moreau est restée quelques instants près d'eux en attendant que sa table soit complète. Oui. Monsieur Alemès est venu... Monsieur Alemès. Oui, il est venu 2 fois au bar renouveler le scotch de Monsieur Moreau. Bon. Et Monsieur Vanel, lui, il faisait la navette comme toujours. Parfait, parfait. Antoine, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais vous m'avez été très précieux. Ah ben, heureux d'avoir pu vous rendre service, Monsieur le commissaire. Nous allons passer au salon, si vous voulez bien, je vais en terminer avec cette histoire. Comment, vous avez trouvé, monsieur? Oui, 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 oh. Ce n'est pas joli, ce n'est pas très propre. Et le plus fort de tout, c'est naturel. Bon alors, André, tu as fini? J'ai fini. Ah. Alors, nous allons pouvoir rentrer, commissaire? Dès que j'aurai terminé ma petite histoire. Elle n'est sûrement pas amusante. Oh non, monsieur Costello, elle n'est pas amusante. Toutefois, je suis obligé de vous soulager d'un grand poids. Si tant est que vous ayez besoin d'être soulagé. Moreau est bien mort d'une crise cardiaque. Ah, vous voulez dire qu'il est mort naturellement? Si vous voulez, madame. Non, mais expliquez-vous, commissaire. Tout de suite, docteur. Grâce à vos déclarations aux uns et aux autres, je possède l'histoire dans son entier. Oui, vous, vous n'en connaissez que des bribes. Tout d'abord, Moreau vient ici à la Libération et se trouve être un des premiers joueurs du cercle. La passion du jeu le lie assez rapidement, lui qui passe volontiers pour un ours avec Maurice Vanel. Ah, ça n'est pas répréhensible. Non, 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 bon. Non, non, mais... Il se trouve, par contre, que Maurice, ici présent, rencontre 2 ou 3 ans plus tard, disons des difficultés de trésorerie. Il en parle à Moreau, et celui-ci met de l'argent dans l'affaire. Quoi, Moreau finançait le cercle? C'est monstrueux. Disons qu'il investissait au fur et à mesure les sommes qu'il gagnait ici. Ah ben c'est bien ce que je dis, c'est monstrueux. Non, disons que ce n'est pas très délicat. Oh. Moreau devient donc une espèce de professionnel du bridge. Et il gagne régulièrement. Oh, tu n'étais pas obligé d'étaler tout ça, enfin. Peut-être pas, mais disons que ça me soulage. Bon, bon, alors, commissaire. Le temps passe, Moreau se marie. Il n'a rien pour faire un époux et son mariage est un échec. Et quelques mois plus tard, l'accident. Il en sort très éprouvé et presque sourd. Il entend très mal, mais il entend. L'effort qu'il doit faire pour lire sur les lèvres le déconcentre et lui ôte cette science qui lui permettait de gagner presque souverainement. Oui, mais nous savons tout cela, commissaire, alors. Ça n'est pas une raison pour écourter mon histoire. Bon, bon, bah, vas-y, vas-y, continue. Il perd régulièrement. C'est moralement insupportable. D'autant qu'il sait maintenant que sa femme le trompe avec Costello. Non, ça n'est pas très élégant ce que vous faites là, commissaire. Oh, personne n'a jamais cru à l'élégance de mon métier, madame. Oui, mais pourtant, je l'exerce. Oh. Donc, Moreau fait discrètement savoir à M. Costello qu'il lui suffit d'un mot pour rendre le scandale public. Moreau a son idée. Elle n'est pas belle. Mais c'est sa façon à lui de se venger du sort. Puisqu'il ne peut plus gagner normalement, il gagnera en trichant. Alors, c'était vrai ? Il trichait ? Il trichait. Ah. Enfin, mais nous n'avons jamais rien vu. Non ? Moreau avait bien des défauts, mais il était intelligent. En accusant sa surdité, et cela faisait partie de son plan,
il vous a suggéré de lui fournir vous-même le moyen de vous rouler. Bon, voilà une idée. Ah, ce n'est pas vous qui lui avez conseillé de porter un appareil? Ah non, mais c'était normal, il ne pouvait pas rester... Mais oui, docteur, c'était normal. Vous, entre-temps, vous lui apprenez qu'il est cardiaque, que son état est grave, il n'en tient pas compte, mais alléguant sa maladie, il annonce à son associé son désir de reprendre son capital. Maurice est incapable de sortir une pareille somme. Moreau le tient. N'est-ce pas, Maurice? Ah, puisque tu sais tout... Le dernier pion à mettre en place est celui de son partenaire. Il lui faut trouver quelqu'un jouant bien au bridge, peu argenté, et surtout pas pointilleux. Almès est un partenaire tout indiqué. Il est jeune, il est joueur, il sera obéissant, moyennant 20% des sommes gagnées. Je n'ai jamais triché, commissaire. Mais personne ne vous accuse. Il commence à jouer avec Almès et prend en charge les pertes de jeu. Deux mois passent. Et pendant lesquels ils ont continué de perdre. Très juste, monsieur Costello. Seulement depuis, il n'a plus perdu une seule fois. Il lui a fallu deux mois pour mettre au point un code avec celui qui lui communiquait les jeux grâce à son émetteur-récepteur. Que vous preniez tous pour un appareil de surdité. C'est immonde, alors il nous volait. Et maintenant, comme dans Cendrillon, celui qui aura l'autre moitié du poste. N'est-ce pas, Maurice? Mais il m'avait ordonné de le faire. Il m'aurait fait sauter en reprenant son argent. Oh, je m'en doute. Alors, tu l'as tué. Mais c'est faux! Oh non! Tu as supporté cette situation pendant deux mois. Et tu as appris, toi aussi, qu'il était cardiaque. Le vieux fond d'honnêteté qui doit sommeiller en toi s'est réveillé. Et aujourd'hui, alors que Moreau attendait que tu lui communiques les jeux comme tu le faisais habituellement, tu n'as rien envoyé. Moreau a tout de suite compris que tu le laissais tomber. Il a voulu se prouver à lui-même qu'il n'était pas fini. Il a joué tout seul. Sa première partie honnête depuis deux mois. Et il y a mis d'autant plus d'acharnement que c'était une partie difficile. Il a gagné. Et c'est cet effort qui l'a tué. Maurice, veux-tu me donner la deuxième partie de l'émetteur? Tiens. On s'en va, commissaire? Oui, prends, on s'en va. J'emporte le truc à pile. Comme souvenir. Et tu ne m'arrêtes pas? Oh non. Non. Je te plains.